Il était une fois une petite fille très jolie que l'on appelait le petit chaperon rouge. Quel drôle de nom ! Pourquoi l'avoir appelée ainsi ? Tout simplement parce qu'elle portait un joli chaperon de couleur rouge cousu par sa mère. Elle habitait une charmante petite maison en bordure d'une épaisse forêt. Un matin, une aventure extraordinaire attendait le petit chaperon rouge. Tu vas apporter ce panier à ta grand-mère qui est malade. Oui, maman. Dedans, j'y ai mis des galettes et un pot de beurre. Surtout, ne t'arrête pas et ne t'écarte pas du chemin. La forêt peut se révéler dangereuse. Des gens y auraient vu un loup. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais directement chez grand-mère. À ce soir, mon enfant. Sois prudente. Oui, maman. C'est donc le cœur rempli de joie que le petit chaperon rouge se mit en route. Elle était heureuse de rendre visite à sa grand-mère. De plus, en cette belle matinée de printemps, la nature reprenait vie et le petit chaperon rouge s'émerveillait devant le chant de grillon ou le sifflement d'un oiseau. Tant et si bien que les recommandations de sa mère n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Et le petit chaperon rouge s'écarta du chemin pour cueillir des fleurs qu'elle avait aperçues. Oh, les jolies fleurs! Je vais en ramasser quelques-unes et en faire un joli bouquet pour grand-mère. Je suis sûre que cela lui fera très plaisir. Oh, qu'elles sont jolies! Et qu'elles sentent bon! Ah ah! Mais que vois-je? Une petite fille qui se promène seule dans la forêt? Ce n'est pas prudent de sa part. Et moi, je suis affamé. Cela fait des jours que je n'ai pas mangé. Je crois que je vais me régaler. Ah ah ah! Au secours, le loup, au secours! Ah! Mais où cours-tu comme ça? Je vais chez ma grand-mère. Ah oui? Et pourquoi? Elle est malade. Je vais lui apporter ce panier. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, juste quelques galettes et un petit pot de beurre. Et ta grand-mère, elle habite où? Elle habite à la sortie de la forêt. Mais dis-moi, tu as l'air d'avoir peur. De quoi as-tu peur? C'est vous qui me faites peur. Ah oui, je te fais peur. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien, en tout cas pour l'instant. Tu devrais aller retrouver ta grand-mère. Elle doit s'inquiéter et elle t'attend. Allez, file vite. Oui, c'est ça, cours. Moi, je vais prendre un raccourci. Je vais arriver le premier à la maison de la grand-mère. Et là, je vais me faire un festin de roi. Je vais d'abord m'occuper de la grand-mère. Et ensuite, je m'occuperai du petit chaperon rouge. Et si j'ai encore faim, je mangerai les galettes. Oh, que j'ai eu peur! Quelle émotion! J'en suis encore toute tremblante. Je dois vite aller chez grand-mère et la prévenir qu'il y a un loup dans les bois. Me voilà arrivé à la maison de la grand-mère. Je vais regarder par la fenêtre pour voir ce qu'elle fait. Il faut être discret. Elle est malade et elle est dans son lit, comme l'avait dit le petit chaperon rouge. Ça va être facile de m'occuper d'elle. Mais elle ne va pas me laisser rentrer facilement. Il va falloir ruser. Réfléchissons. Ah oui, j'ai trouvé. Je vais me faire passer pour le petit chaperon rouge. Je vais imiter sa voix. Ha, 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 ha. Ah ouais? C'est moi, grand-mère. Le petit chaperon rouge. Oh! Mais qu'a donc ta voix? C'est parce que j'ai beaucoup couru et j'étais pressé.
D'accord, entre mon enfant. Au secours, au secours. Allez, dans le placard, la grand-mère. Allez, dans le placard, j'ai dit. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le petit chaperon rouge. La grand-mère est dans le placard. Je la mangerai plus tard. En attendant, il faut que je me déguise. Ce vieux bonnet fera l'affaire. Je vais le mettre sur la tête et ensuite au lit, en attendant le petit chaperon rouge qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Ainsi déguisé, l'illusion est presque parfaite. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Entre, mon enfant, je t'attendais. Oh, mais quelle grosse voix tu as! C'est pour mieux t'accueillir, mon enfant. Mais quelle grande main tu as! Ah, c'est pour mieux te caresser. Mais quelles grandes oreilles tu as, et poilues. C'est pour mieux t'entendre. Mais quelle grande bouche tu as. C'est pour mieux te manger, mon enfant. J'espère que cette maison est habitée. Cela fait des heures que je cours après un loup sans le trouver. Et là, je suis assoiffé. J'aimerais bien boire un peu d'eau. Mais que vois-je par terre? Des traces de loup? Oh, elles vont jusqu'à la porte. Sapristi, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Ah, le loup, je t'ai enfin trouvé. Tu ne m'échapperas plus maintenant. Allez, prends ça, et encore ça. Ah, tu ne feras plus de mal à personne maintenant. Relevez-vous, jeune enfant. Le danger est écarté. Le loup est mort. Merci, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, ce n'est rien. Je n'ai fait que mon devoir de chevalier. Oh, merci. Que j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce donc ce bruit? Mais d'où cela peut-il venir? On dirait grand-mère. Où est-elle? Grand-mère, grand-mère, où es-tu? On dirait que cela vient du placard. Allons voir. Oh non, au secours, au secours! Oh, je suis enfermé dans le placard, mais sortez-moi d'ici! Enfin libre! Oh, merci, chevalier, vous m'avez sauvé la vie! Oh, ce n'est rien, madame. Je n'ai fait que mon devoir de chevalier. Oh, laissez-moi vous faire la bise pour vous remercier. Oh, quelle aventure! Et toi, petit chaperon rouge, je suis tellement contente de te voir saine et sauve. Moi aussi, grand-mère. J'ai cru que le loup t'avait dévoré. Oh non, il m'a juste enfermé dans le placard. En tout cas, encore merci au chevalier pour nous avoir sauvé la vie. Et voilà, maintenant le calme est revenu dans la maison. Je vais partir maintenant. Le loup est mort, vous ne risquez plus rien. Je vais emporter... Ok, lourd. Je vais emporter son corps au village afin que tout le monde soit rassuré. Allez, au revoir. Et maintenant, la forêt est redevenue calme et paisible et on peut s'y promener en toute sécurité. Oh, grand-mère, je suis désolé. C'est ma faute si le loup est venu. Je n'aurais pas dû m'arrêter en chemin. Oh, ce n'est pas grave. Il serait sûrement venu de toute façon. Oh, je vais m'asseoir. Oh, je suis épuisé. Ah, vous êtes là. Maman! Ah, je viens du village où j'ai appris ce qui s'est passé. Oh là 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 là, quelle aventure! Oui, maman, on a eu très peur.
mais nous avons été sauvés par un gentil chevalier. Oui, j'ai appris ça aussi. Grâce à lui, nous pouvons à nouveau nous promener dans les bois en toute sécurité. Allez. Bon, maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Il se fait tard. Allez. Au revoir, grand-mère. Alors, au revoir, les enfants. Oh, quelle aventure! Heureusement, ça s'est bien terminé. Oh oui, heureusement. Tu sais, maman, plus jamais je ne m'écarterai du chemin. J'ai bien compris la leçon. Et j'ai compris quelque chose encore. Ah oui? Et quoi donc? Mais j'ai compris que quand tu me dis quelque chose, quand tu me mets en garde, ce n'est pas pour m'embêter, mais pour me protéger. Ah, je suis heureuse que tu aies compris cela aussi. Allez, rentre à la maison. Et comme on dit dans les contes, tout est bien qui finit bien.